SFM Bâche vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 0707 47 37. SFM Bâche, votre événement, notre engagement. Yo la famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien, hein? J'espère que vous allez très très bien. Moi, ça commence à aller, grâce à Dieu. Hier, j'étais à l'hôpital, ça va mieux. Ça va mieux. En tout cas, merci pour votre marque d'attention. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci de toujours m'encourager. Merci de partager mes vidéos. Merci de toujours vous abonner. Merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du conseil du siècle, du conseil de l'année, du conseil jamais organisé dans le coupé décalé. Voilà. Vous avez assisté un peu au conseil de Didier Arafat. Et de trucs, on va dire, de Serge Beno. Vous vous rappelez du face à face, là, non? Voilà, c'est l'effet double qui va se passer. C'est le 9 décembre, là. Mais bien avant de parler de trucs que ce conseil-là, je voulais d'abord vous signifier quelque chose. Moi, quand je fais mes vidéos, je ne viens pas dire des trucs sans avoir vérifié. Voilà, je prends une information, je prends une confirmation avant de venir vous dire. Hier, j'ai reçu plusieurs appels, voilà, qui m'ont confirmé effectivement que elles se sont fait arnaquer par l'administrateur de ce compte là parce qu'elle, bon, étant fan, c'est normal, hein, elle pensait que c'était Latisse en fait. Voilà, il y a une heure qui m'a écrit, elle veut rester dans l'anonymat, qui m'a envoyé même les photos de son transfert. Apparemment, le nom de la personne à qui elle a envoyé ce transfert là, il s'appelle Jean-Paul Boiseau. Jean-Paul Boiseau, voilà. Donc j'ai pas malin plaisir à dire à des personnes de se désabonner de la page ou même de chercher à la signaler. C'est parce que c'est pas bien. C'est noble, tu fais la promotion de l'artiste, mais tu le fais très mal parce que tu n'as pas demandé la vie à l'artiste d'abord. C'est ce que nous on dénonce, voilà. Et puis ce que tu fais, c'est que tu prends de l'argent au nom de l'artiste et ça salue le nom de l'artiste. Et il y a beaucoup de fans qui sont dessus, découragés et tout ça. Donc Déborah, si tu vois cette vidéo, il faut savoir que ce mec là est en train de salir ton nom. Et la même chose qu'ils ont fait à MC One, ils sont en train de faire ça aussi avec ton nom. Voilà, parce que mine de rien, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi l'homme aime se sentir bien dans la bêtise, mais depuis que j'ai fait la vidéo là, il a augmenté ses followers de plus de 2000. Chose bizarre. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que ce n'est pas de l'amusement, c'est pas de l'amusement. Il y a des personnes qui se font arnaquer avec ce compte Instagram là. Bref, moi je vous ai dit, si vous voulez, restez abonné à cette page là. Moi je vous ai dit d'aller la signaler. Signaler là autant que vous voulez. Voilà. Bref. Aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire d'un de mes gars, un de mes frères, un gars qui me soutient vraiment, quels que soient les boycotts qu'ils ont voulu faire, quelles que soient les mesquineries qu'ils ont fait, quelles que soient les médisances qu'ils m'ont envoyées, il est resté toujours fidèle. Et là, c'est mon homme de main, mon deuxième homme de main de mon groupe WhatsApp, il s'appelle Mousse, Mousse depuis à Benguru, c'est son anniversaire. Et j'ai chanté léger rapidement pour lui, ok? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Mousse, joyeux anniversaire. Tout le bonheur mon frère, tout le bonheur, tout le bonheur. Voilà, tu as pris tes points, hein, tu as pris tes points, beaucoup de bonheur, profite bien de ta journée. Maintenant parlons du sujet de la vidéo. Je vous informe parce qu'il y a beaucoup qui sont pas encore informés. Comme j'ai une audience un peu plus large ici, je vais faire la propagande. Le relayement de cette information-là, et cette très bonne information-là, les gens parlent. C'est à ce conseil-là que vous allez comprendre que Debordo et Didier Arafat sont les deux gros poids du coupé décalé. Je ne suis pas en train de négliger les autres, mais je suis en train de juste dire ce qui est. Voilà, moi je respecte tous les autres artistes du coupé décalé, mais quand il y a des choses à reconnaître, il faut les reconnaître. Debordo et Didier Arafat vont démontrer aux yeux du monde ce 29 décembre-là que c'est eux qui contrôlent le coupé décalé. Même s'il y a un, on dit que ce n'est pas sorti son. Vous allez comprendre. Rappelez-vous du 31 mars, Debordo a réuni 15 000 personnes. Arafat, je crois, au moins 17 000 ou 18 000 personnes du côté de la BAE. Voilà. Et ce 29 décembre, là, il y aura une fusion. Donc j'allais tous les fans de la Chine et de la Légion. Ce conseil-là, on ne doit pas donner le nom aux gens. On doit rendre nos artistes très, 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 très grands. Voilà. On doit montrer aux yeux du monde entier que c'est eux. Les chefs, c'est eux les patrons du game. Voilà. Tout le monde à sa place, on n'a pas dit le contraire. Mais il faut respecter ces deux-là. Et chaque fois qu'ils font une union, une collaboration, il y a toujours été celle. Comme je vous disais d'entrée de jeu dans ma vidéo, pour ceux qui se rappellent du conseil de Didier Arafat, de face à face Didier Arafat de Bindo,
cette fois-ci, c'est le face-à-face de deux meilleurs amis, mais ennemis dans la musique. Ennemis musicalement. Donc imaginez ce qui va se passer. Famille, il sait que ce concert-là sera très cher. Là, il vous dit en même temps. La Chine, la Légion, ce concert-là sera très cher. Donc, pour ceux qui n'ont pas là encore moi, là, commencez à cotiser un peu pour assister à ce concert-là. Parce que c'est un concert historique, jamais organisé dans le coupé décalé. Des Bordeaux et Didier Arafat sur la même scène. Ce qui va se dérouler ce jour-là. C'est le 29 décembre. Retenez bien cette date-là. Donc, commence à cotiser mon ami, commence à cotiser ma soeur. Partage la vidéo au maximum pour dire à tes amis, ta famille et tes frères, tes soeurs, toutes tes connaissances qui sont de Bordeaux et Didier Arafat sont concert ce 29 décembre-là. Trois jours après, le 1er janvier encore, donc restez connectés. Voilà, je voulais juste vous dire de vous apprêter. C'est le conseil aussi de tout le coupé décalé. Voilà, comme c'est des artistes très ouverts, je sais que toute la crème musicale sera présente ce jour-là. Toute la crème musicale. Je compte sur vous les amis, parce qu'on doit rendre très grand. Nos artistes là doivent triompher ce jour-là. On doit être au moins minimum 50 000 fans à ce concert-là. Minimum, et c'est possible. Donc les amis de la diaspora, les amis de la sous-région, vous avez tout le temps. C'est le 29 décembre. Je parle des amis qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont en Angleterre, qui sont partout dans le monde. Parce que généralement, vous aimez venir fêter en décembre. Dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Et il y a un gros cadeau qui vous attend cette fois-ci. C'est le concert de Didier Arafat et de Bordeaux. Préparez votre voyage, préparez votre concert, préparez ce moment historique, cette date historique-là. Moi, il n'est pas l'argent, donc j'ai commencé à cotiser un peu, 500 chaque jour. Les tickets de concert, ça là. Et c'est que le plus petit prix sera 10 000. Au moins ça. Voilà, donc je m'apprête en conséquence. Donc c'était l'information que j'ai à vous donner. C'est pour bientôt. C'est dans 3 petits mois seulement. Restez branchés. Des nouvelles informations. Je vais vous mettre au parfum jusqu'à ce que le 29 arrive. Le 29 décembre, date historique. Soyez prêts les amis. Ciao, ciao. Big up à la Chine. Big up à la Légion.